Enfin, enfin me revoilà. Une petite musique douce, un petit gameplay plutôt calme. Aujourd'hui, on se retrouve enfin. Oui, c'est moi, c'est Axelus. On se retrouve pour un épisode de Terraria tranquillement. Donc du coup, comment vous allez? Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans cet épisode-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'ai pas vraiment prévu, je suis lancé le jeu et je me suis dit, on va discuter. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait commencer à avoir un peu de bois pour s'arranger et avoir de quoi faire une arène. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc, aujourd'hui, donc, faut que je fasse un peu le point avec vous. Donc, voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Donc, je n'étais pas là pendant un certain temps, à savoir, voilà, j'ai eu quelques petits problèmes de mon côté. Donc, du coup, voilà, j'ai eu des grosses pannes d'internet pendant très très longtemps. Donc, pendant une semaine et demie, voire deux, je crois que c'était comme ça. Ensuite, j'ai eu des petits soucis de l'ordre de familial, quoi. Donc du coup voilà, je préférais pas trop vous en parler, donc malheureusement j'étais pas trop actif même sur Discord, bien que je mettais quand même à jour le fait de certaines choses, comme simplement les problèmes internet ou d'autres trucs qui pouvaient être intéressants pour vous et qui seraient utiles de vous mettre au courant. Mais voilà, donc du coup voilà, je sais pas comment, à savoir le fait d'avoir des petits changements même au niveau de ma life. En fait, ça va peut-être me faire changer les idées par rapport à YouTube, donc voir si... Parce que je sais que le contenu que je fais, il est regardé, hein. Je sais pas combien de vidéos, enfin combien de vues ça va faire cette vidéo-là, mais je sais que, bon, techniquement, elle devrait en faire un petit peu. Mais voilà, voir si je me plairais pas à faire un contenu différent sur ma chaîne, et pourquoi pas, voilà, le faire avec vous, et puis voir si ça pourrait vous intéresser. Peut-être... Voilà, jouer à d'autres jeux et avoir une version différente un petit peu, c'est-à-dire que je sais pas, un montage un peu plus travaillé, je sais pas, des choses comme ça, des vidéos peut-être un peu plus courtes avec un montage plus dynamique et pas forcément moi qui parle tout le temps, je sais pas, c'est... Voilà, c'est des choses auxquelles j'aimerais bien me hâter à essayer, mais voilà. Sinon, au niveau de Terraria, j'ai même pas regardé dans quelle version j'étais, j'ai lancé le jeu comme ça, je me suis dit, allez, on tourne dès que c'est possible. Donc du coup voilà, et normalement je devrais avoir un peu moins de mal à upload les vidéos étant donné que ici, là où je suis actuellement, j'ai la fibre, donc voilà quoi. Attendez, j'ai envie d'éternuer, ah c'est bon, bref. Du coup voilà, une petite vidéo un peu calme, un peu posée, voilà, sans vraiment prise de tête. Est-ce que je grimpe pas? Je grimpe pas. Donc voilà, c'était vraiment pour faire le point et tout ça. Donc là aujourd'hui on va se balader pour récupérer un peu de bois. Et aussi par la même occasion on va tout simplement se mettre en chasse pour espérer trouver un maximum de bois. Mais le problème c'est que le bois qu'il y a là, je l'aime pas trop, le bois de la jungle. Donc du coup voilà, c'est un peu à la carotte. Oh attendez, voilà. Je sais que le livre il sert à quelque chose. Donc autant le préserver. Il est important. Ah oui, c'est vrai qu'ici, mais après, ouais. Il y a un arbre, mais bon, voilà, quoi. La miner, ça va être un peu compliqué. Ah, voilà. Voilà ce que je voulais. Donc, du coup, voilà, donc j'espère que mon retour sera bien accueilli. Je sais que sur Discord, il y a des gens qui se rencontrent et tout ça. Je lis toujours vos commentaires, vous inquiétez pas. Je suis toujours actif sur la chaîne, mais bon, enfin, actif de loin, c'est-à-dire que je surveille un petit peu ce qui se passe. Et voilà, je suis quand même content de savoir qu'il y a des gens qui continuent à me suivre, qui continuent à s'abonner à la chaîne. Je suis très très content. Ne vous inquiétez pas, ça, je surveille un peu tout. Mais voilà. Je tenais juste à vous préciser que, voilà, il y a eu un petit moment de pause sur la chaîne. C'est pas forcément volontaire, je sais pas s'il y en aura d'autres parce que, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. À voir. Comme je dis, on verra dans le temps. Oh putain, je me fais bolos là. C'est vrai qu'ils font mal mine de rien, ces petits trucs là. Ces slimes là. Et j'ai pas l'item pour... Oh, je m'étonnais de tout le monde. Mais c'est pas possible. Mais lâchez-moi. Ouais bon, le jeu n'a pas changé, bref. Du coup, voilà, donc au niveau de la fréquence des épisodes, je tenais aussi à préciser ça, en fait, je pense qu'ils sortiront de temps en temps, quand j'en aurai envie.
Donc voilà, donc je pense tenir un rythme si possible une à deux vidéos par semaine et essayer de voir en fait vraiment je me trouve un nouveau rythme, un rythme avec la parution aussi du contenu que je suis en train d'imaginer. Donc je suis pas en train de commencer enfin, je suis en train de commencer le développement et pas la production, voilà, c'est ça. Donc voilà, petit à petit j'essaie de mettre en place un contenu un peu différent. Je suis plus en train de penser à comment est-ce que je vais le faire, sur quel jeu et tout ça. Donc j'ai des idées, donc à voir après comment ça peut se dérouler. J'ai quoi une boîte? J'en ai 400. Oh, il pleut sur la météorite, ça devrait les calmer un peu ces trucs là. Oh là 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 là. Oh bah écoutez, ce qu'on peut faire c'est que je peux rentrer à la maison et aller chercher la TNT, non? J'ai 6 pièces d'or. On va aller chercher ça, regardez, vous allez voir. On va se faire une armure en truc là. Hop là, 8 TNT. Je pense que ça peut suffire. Voilà, tac tac. On va éliminer la météorite. Vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, on va retraverser la jungle avant qu'il fasse nuit de préférence, comme ça j'arrive, bah écoutez, oui, je change un petit peu mes plans, mais écoutez, si j'arrive à attaquer le Cthulhu avec une armure en météorite, je dis pas, mais bon voilà quoi. Je serais grandement avantagé. Ce qu'il me faudrait, ce serait que je fasse une armure météorite et que je me fasse le Space Gun, je sais pas quoi là, je sais pas comment ça s'appelle comme ça. Parce que je dis n'importe quoi. Aïe, il fait vachement mal son jet de sable là. C'est un massacre. Donc du coup, on va voir. Non maintenant je suis conscient aussi que maintenant il y aura peut-être un petit peu plus de bruit de fond, donc je vais essayer de m'arranger pour que ça se calme, tout ça. Donc du coup voilà. Hop là. Donc du coup, hop, on se dirige directement pour ce petit épisode. Ah, je sais pas combien de temps ça fait normalement. Une journée sur Terraria, ça dure combien de temps? Je sais pas s'il y a des gens qui savent. Je sais pas si c'est 10 minutes ou 15, quelque chose comme ça. Si jamais vous avez l'astuce, n'hésitez pas à me la transmettre via les commentaires. Oui, je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Je sais, ça paraît gros, machin, mais bon. C'est totalement vrai. Je lis tous les commentaires. Même les plus débiles. Donc voilà. Donc même si vous avez envie de dire des nouvelles, eh bien écoutez, je les lirai. Si vous êtes content que je sois revenu, écoutez. Marquez-le moi en commentaire. Hein. Montrez-moi que vous existez. Hop, hop. Allez, hop. Moi, je vous le dis, les gars. Aïe. Par contre, c'est compliqué. Hein. Oh là, il commence à y avoir pas mal de trucs. Hein. Oh putain. Putain, c'est pas bon ça. Ah, il y a moyen que je les sème avec l'arbre. Ça, les deux là. Enfin, je sais pas que je préférerais avoir mon armure. Hein. Un truc là pour... mais c'est pas possible. Ah, elle va revenir, ouais. Hop là. Et va-t'en de là. Au revoir. Voilà, normalement elle a des pop. Alors. C'est parti. Merde. Boum. En plus, elle est immense cette. Oh punaise, mais je vais pas réussir à en caser une seule ou quoi. Non, il m'en faut d'autres de la TNT. Il faut toujours plus de TNT. Je me suis pris cher quand même là. C'est pas mal de... Oh, il y a 31 blocs. D'accord. Ok. Bah là, faut vraiment que je me dépêche. Tu sais que d'habitude, pour la météorite, il faut un minimum pour... Ah, mais attendez, j'ai plus d'or. Ah, si, ça va. Chop. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Non, 6. Ça fait quand même pas mal de TNT. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas mal investie. Alors, attendez. Ah oui, quand même, 70. 70, c'est toute une armure, non? Je sais pas. Ce serait stylé. Oh oui, c'est toute une armure. Ah, déjà. Oh, c'est toute une armure plus le Space Gun. Oh là là. C'est l'affaire du siècle.
Bon, écoutez, hop. Oh là là, bah écoutez, je sais que ce bruit très agaçant risque de vous monter à la tête, mais déjà je suis beaucoup plus résistant. Et écoutez, il y a peut-être moyen qu'on s'affronte le Cthulhu d'ici le prochain épisode. Punaise, attendez, ça fait 5 minutes que j'ai repris Terraria et j'ai vraiment envie de continuer les épisodes. Écoutez, voilà, ça m'a ranimé, parce que surtout en fait, j'ai un peu hésité à lancer Terraria, parce que je me suis dit, c'est vrai que ça pèse un peu et tout machin, je suis pas dans une bonne ambiance et tout, mais là, ça va, ça me change un peu les idées, tout ça, donc je suis plutôt content. J'espère que cet épisode vous plaît, car il se passe pas mal de choses. Allez, en un seul aller-retour, je me suis quand même crafté... Ah ouais, non, c'est super fort, Space Gun, hein, en tous les cas. Ouais, je pense qu'entre le tout, c'est... Il y a vraiment moyen de l'éclater avec le Space Gun. Et je sais que vraiment, le Space Gun, à l'époque où le jeu, il venait à peine de commencer, déjà l'armure n'était pas comme ça, l'armure météorite, elle était pas du tout comme ça, donc je sais qu'à l'époque, le Space Gun et cette armure-là, c'était l'une des armures les plus fortes quand vous arriviez, c'était l'une des armures les plus efficaces contre le... Comment il s'appelle je sais même pas si c'était l'armure la plus forte du jeu. Je crois que non, c'était l'armure... comment il s'appelle cette armure? L'armure de démonite à l'époque. Et le boss final, c'était le Skeleton. Pas le Skeletron, hein, le Skeleton. Du coup, voilà. J'aime bien vous poser la question de, ouais, ben, le jeu au final, il est pas très long. Et bien, sachez qu'à une époque, le Skeleton, ben, c'était vraiment le boss final. Voilà. Je sais que je passe mes vidéos dessus, il me semble, sur cette époque-là. Mais franchement, je sais que ce jeu-là m'a fait pas mal kiffer. C'était la découverte, je me disais, waouh, ouais, pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà. Au moins, vous saurez, abonné, que je suis pas vintage, mais au moins, j'ai des origines sur le jeu. Bon, alors, maintenant, j'ai un peu plus de vie et un peu plus de résistance. Et j'ai des trucs à récupérer. Donc, ce qu'il me faudrait peut-être, je sais pas, si je peux me faire un sabre laser, moi je suis pas contre, hein, écoutez. Parce que faudrait que je récupère de quoi faire une Amax, je sais pas quoi là, le gros marteau. Et après vous pouvez voir que, mine de rien, une seule météorite, pour une seule personne, ben en fait, c'est plutôt worse, hein, je veux dire. J'arrive, je mine et puis basta, je veux dire, là j'ai... largement de quoi me faire une armure. Mon pistolet. Je veux dire, c'est pas grave si j'oublie des morceaux, quoi, c'est ce que je veux dire. Bon, je pense que je vais pas les miner comme ça. Il me semble. Ah merde, je me suis viré à la pioche, quel idiot. Tac tac. Ah non, c'est ça. Ok, du coup, je vais pistoler. Ouais, ça par contre, ça m'embête un petit peu. Parce qu'en fait, ils ont... Il y en a combien là? 4, ouais bon. Ah non, météorite. Météorite 33. C'est vrai que 33, c'est beaucoup quand même. Faudrait que je saute là-bas pour... Voilà, normalement ça devrait aller mieux. Voilà, au niveau de la... Je sais pas s'il y en a, s'il y en a encore assez pour que les météorites aident pop. Mais bon. Voilà, normalement ça devrait un peu mieux se passer. Ah, putain, je suis slow. C'est pas vrai, quoi. Ah. Putain, je vais jamais avoir le temps d'aller chercher mes météorites. Qu'est-ce que je pourrais faire? Putain, j'ai quand même encore 260. Allez, comme quoi, une seule météorite, en fait, ça suffit largement pour full stuff une personne, quoi. C'est ça qui est quand même abusé. Oh là là. Ah, j'ai perdu 3 pièces d'or. Bon, écoutez, je pense que je vais laisser ça comme ça. Parce qu'il me semble que la météorite, c'est un matériau qui se propage bien, en fait. Bon, 33, c'est pas grave, écoutez. Hein. Des météorites, il y en aura plein sur la map. Du coup, qu'est-ce que je peux me faire comme matériau avec la précieuse météorite? Ouais, j'en ai 92. Attends, là, il y a moins...
facilement deux packs, quoi. C'est quand même. C'est quand même fou. Alors, tac tac. Y'a pas une question de d'autres armes là pour. Pour le. La météorite. Alors. Meteor Staff, non, c'est pas possible maintenant. Hein. Le Star Cannon. Pas tout de suite. Ah oui, moi j'ai bien une épée laser. Parce que franchement, une petite épée laser là. Est-ce que j'ai pas des pierres précieuses dans mon coffre? Dans l'un de mes coffres, ou une autre. Hein. Piou piou piou. On repasse sur la petite salle des coffres que je n'ai pas montré l'épisode. Oh là là. Malheureux. Alors. Ah, j'avais des bombes, tiens. On va déposer les. Certains trucs là qui ne servent à rien. Hop, 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 ouais. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me faut? Pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Alors, tac, tac. Il me faudrait ouais, des pierres précieuses. Oh, ça c'est pour le prochain épisode, les amis. Et oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Qu'est-ce que. Il n'y a vraiment pas des pierres précieuses. Écoutez, je pense être un pauvre de pierre précieuse. Oh! Mais il sera violé. Oh, il sera violé, mon sabre laser. Vas-y, je deviens un vrai Stormtrooper. Comme il faut. Ils sont même aussi. Je crois que c'est 15 qu'il en faut. Ouais, c'est ça. Je deviens un real Stormtrooper. Avec mon sabre laser violet. Je suis un peu. Voilà quoi, mais on va pas se le cacher. Vaut mieux avoir un sabre laser violet que de se prendre tout le temps des clacos dans la tête. Bon, tu fais chier. Sabre laser. Poum. 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 Au revoir l'épée cactus. Et bien voilà, regardez, en un seul épisode, j'ai upgrade de manière totalement cheatée. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que en off, juste entre les deux épisodes, pendant la nuit, là, je vais juste me faire une arène. Je sais pas exactement où est-ce que je pourrais la faire. Peut-être là, dans une zone un peu écartée. Écoutez, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu différent de d'habitude vous aura plu. Je suis tout seul en expert. Je vais affronter mon destin. Et je vous dis tout simplement ciao, salut à tous, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.